Eh bien bonjour YouTube. Voilà, peut-être le verras-tu, peut-être ne le verras-tu pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on tente le contre-la-montre sur les coupes fruits et boomerang. Ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut en prendre 4 heures. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. On prend notre personnage habituel parce que Birdo, ça va 5 minutes. Nous allons à Amsterdam. Et nous allons défier un fantôme. Alors, le fantôme est en haut de la moyenne, là, tout ça. Donc, tu vois, de prime abord, tu te dis, normalement, battre le fantôme Nintendo, c'est facile. Mais parfois, ce sont des pièges. Je joue toujours en 200cc, sinon je trouve que ça va pas assez vite. Mais je crois que ça, le 200cc ne valide pas le 150. Or, moi, je veux la totale. Ah, d'accord, déjà, je commence mal. En général, l'objectif, c'est d'avoir une dizaine de pièces dans le premier tour. De voir où est-ce que Nintendo met son champignon. Pour l'instant, on se fait pourrir. Va falloir qu'on regarde le fantôme parce que là... S'il y a des raccourcis en plus que je connais pas... Oh, les grosses tulipes, je les kiffe. Ok, bon. Ok. Changer de circuit. Faut que tu me montres voir un fantôme. Je sais pas où elle met ses champis, en plus avec ses circuits là qui ont jamais le même tour. Tutut. Coucou Astriae. Et Emrys Black. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, émoticône souriant. Donc là, il y avait un champion, on l'avait vu. Deuxième champi juste après le début du deuxième tour. Je pense que le troisième c'est au même endroit parce que je crois que ça repasse forcément là-bas. Là c'est au milieu. Je sais pas si ça change grand-chose. Elle le met pas là, elle le met pas là. Ah,
peut-être là, non? Ouais, ouais, bon, après les tulipes. Je sais pas si c'est bien... Je sais pas si c'est... Voilà, je ne sais pas. Bonjour, Bloomer. Zoom 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 zoom. Je rate des pièces. J'ai raté l'argent. Oh là là. Poussez-vous, Nintendo, poussez-vous. Elle me colle au cul! Non, j'ai raté toute ma vitesse à la fin. Oh, on est proche. Ok, on est proche! On est proche! J'ai perdu beaucoup de vitesse sur la fin. Envoyé, non. La musique me rend zinzin. C'est les trucs qui font... J'ai raté mon départ à un niveau interstellaire. Waouh 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 waouh. Je rate des bonus là. Ouf. Ouais. Ouf. Espèce de polka qui s'emballe. Déjà, si on ratait pas son départ, qu'est-ce que vous en pensez? Wow, wow, wow. Zoom, 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 zoom. Argent, vitesse. Bonheur. Pute. Tout est lié, finalement.
Ah non, mais elle remonte à chaque fois, là. Mais putain, pourquoi elle va si vite à la fin? Un peu raté là. Je rate toutes les pièces. Bah, ok. La carte qui accélère mieux, j'y connais rien perso. Oh, c'est possible, mais bon, pas à ce point-là, quoi. Oh, oh. Voilà. Coucou Pingouin. Salut Morgane, salut Malice aussi. Suffisait de pas mettre le champignon là-bas. C'est la fin de la musique des enfers. Peut-être que la suite est encore pire. Défier un fantôme. Les fantômes Mario Kart 8 sur les circuits Mario Kart Tour sont plus durs. Bah, j'ai eu cette impression déjà plusieurs fois, ouais. Ouf, j'aurais dû prendre les pièces, je pense. La run no argent. Ok, bon, faut faire ça tous les trois tours.
Enfin, sur les, tous les tours. Il y aura une fin du mois. La run poppers? Qu'est-ce que tu dis, ça, Macaon? Pardon? Une run dilatée? Apparemment. Ah, il prend les pièces, là, il saoule. Ok. Faut pas aller trop serré, sinon je reste dans l'herbe à la fin de mon boost. Oula. Bah ouais, mais voilà. Voilà ce que j'en pense. La plantasse. Mauvaise herbe. Cette plante déteste le soleil. Et il prend pas l'argent. Prends l'argent. Je ferai une très mauvaise carrière en politique. Au soleil grimace, c'est ça. L'humus solaire. J'ai lu quelque chose là-dessus. Paf! Ouais. Détendez-vous! Il n'arrive pas à se détendre! Oh bon Dieu! Qui prennent du popper, ça apparemment ça détend. Ralentis, Franck! Le problème, l'argent. Yeah.
des plantes en pot. J'avais oublié. Côte-fleur a deux doigts de se faire unmodder. J'arrive, Franck. Ah, j'ai roulé dans l'herbe, Franck. Le gazon. Oh non, j'ai roulé dans le green. Ça, c'est pas malin. C'est marrant, les fantômes des devs ont tous le prénom Nin. Après, le nom de famille diffère. Sur le green. Arrêtez! Attention à la plante en pot au deuxième tour. Ceci est un appel de service. Attention à la plante en pot, j'ai raté une pièce, c'est une catastrophe. Bah oui, j'ai raté une pièce. Franck ! Ça va. J'avais beaucoup d'avance. J'avais beaucoup d'avance. Pourquoi il y a des plantes nues qui courent? C'est simplement leur expression de la vie. Tu fais pas ça chez toi? Personnellement... Je me balade souvent, la plante en pot.
forêt de Dalit. Oh là. À chaque fois j'entends un klaxon, j'ai l'impression que c'est dehors ça. Je mets mon champion où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Ah mais non, mais ça doit être là qu'il le prend. Fausti. Fausti de grosse vache. Waouh. Oh, moi j'arrive pas à ça. Ouf. Tout va bien. Prends les pièces là-haut là. J'arrive pas à ton bazar là. J'aime pas là, les gros mamelons. Oh là là. Vous avez très bien compris de quoi je parlais. Faites pas genre, oh my god, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, il a dit gros mamelon. J'aime bien être juste à côté du gouffre. Les mamelons ralentissent beaucoup si tu sautes dessus. C'est chaud de les opti. Il faut opti le mamelon.
Un mamelon, ça saute petit, hein. La méta-mamelon. Et comment? Eh bien, Indemar vient de nous le dire. Il faut pas forcément sauter bien dessus, là, tu vois, c'est... Il faut sauter correctement. C'est chaud. Je m'y connais. Ah, arboussier, c'est vrai. Immense et veineuse. Enfin, je veux dire... Il faut connaître le lore du stream après, hein. Parce que forcément. On a des gens immenses et veineux, et d'autres. Et d'autres énormes, pas retouchés, gros et naturels. Gros et naturel. J'arrive pas à prendre des pièces là, pourquoi Mamelon pointu, c'est difficile à avoir. Ah, tu vois, là, j'ai géré. Y a plus les commandes vocales? Bah si, seulement vous les avez pas utilisés. Non? J'ai oublié le placenta. Mais c'était bien, hein, quand vous les utilisiez pas à tort et à travers. J'ai pris les caca rouges! Attention les carapaces, Luigi! Bon Dieu! Il nous faudrait un peu de concentration, vous avez ça? Joli rattrapage de mamelon. Pas mal. Peau molle, comme on dit. Peau molle de mamelon. Ah, cancel. Cancel. Fin de la méta mamelon.
Non mais je roule dans la poudreuse là. Et allez, non mais je te jure. Les snowboarders. Oh là 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 là! Fausti! Je pense que j'ai un problème de pièce et qu'il va forcément me dépasser parce que... Il prend les pièces. Ouais. Oh, le dérapage qui a fait n'importe quoi. Le cut dans le virage, il est trop chaud. Lequel ? Le cut n'est pas rentable. Attends, de quel vous parlez ? Parce que j'ai peut-être raté un truc. Celui-là. Vous pensez que je vais au centre? D'accord, je vais essayer, je vais voir. Ah oui, mais du coup, bon, c'est pas grave, on essaye. Oula! Oula! J'oublie tout le temps qu'il y a ça là. Ça glisse tellement en fait là, cette zone. Coloquinte au passage. Pas besoin du champi normalement. Peut-être que j'ai trop de vitesse.
prenait comme on pouvait. Faut le prendre bien serré pour couper que le premier tournant, le deuxième est beaucoup plus dur et dangereux. Ah, c'est... Puis faudrait le faire trois fois, ouais, si j'arrive à le faire une fois. Des trucs. Mais bon. On va train, hein, c'est peut-être faisable correctement. Pour l'instant, on gagne rien. Je sais pas, je sais pas. Non mais après, il y a peut-être un fantôme. On pourrait voir ça mieux. Voyons voir. C'est un autre niveau, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, quel bolos. Oh. Carte. D'accord.
Tiens, tiens, tiens. Ouf. Et vous croyez que ça serait Gus, ça? Nick, il s'appelle. Déjà, faut que je reprenne mon autre fantôme, sinon je vais être perturbé. Et je crois qu'il fait plutôt un drift dans l'autre sens, tout en glissant à droite. Moi, c'est le fantôme Nintendo que je dois battre, hein, donc... Si j'y arrive une fois, on peut prendre assez d'avance pour finir le circuit tranquille, peut-être. C'est dangereux, hein. C'est pas du tout... Je récupère pas de pièces. Il le faisait là aussi. Il le faisait aussi à la fin, j'ai pas fait. Salut Vanda. Bonjour Flazer. Ah là, c'est réussi pour ça. Je trouve difficile les boosts bleus là sur les virages, hein, pour les prendre correctement.
Sinon, on fait pas le cut, mais si j'arrive à prendre les boosts bleus assez bien, ça suffira. A plus, Pierre, des bisous. Et Pierre ? Ah, Pierre. Bon, ça, c'est un peu greedy et inutile. Hein, si je fais bien le boost bleu au premier tour, là, enfin au tout début, ça peut suffire, je pense. Oh là ! On s'amuse bien ? Ouf. Petite figure là. J'arrive pas à celui-là. Et merde. C'est parti pour le clutch. Beau clutch, très beau clutch. Clutch dans ta gueule. Ah ! Non ! Yeah.
S'il n'y a pas de conneries, on peut passer. Mouac, 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 mouac. Onc, 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 onc. Putain de snowboarder! Bon, on aura quand même appris pas mal de choses avec ce cut, qui est à mon avis un petit vin chaud, un petit verre de vin chaud. Et les boosts bleus à ne pas négliger, mais difficile à prendre là, je trouve, c'est comme ça. Faut avoir le bon angle. Et là, j'en ai eu un petit peu par hasard, mais ça passe. Ça passe ! Il reste une course. Je l'ai mis... Oh, une seule phrase. Quoi ? Je souhaitais fêter mon 13e mois en partageant le fait que je viens de finir Elden Ring. Je m'attendais à un mais derrière. Mais... Eh bien, merci Tukimak et félicitations. Je crois que c'est un jeu compliqué que je ferai peut-être un jour d'ailleurs. J'avais dit que je le ferais, je crois, ce jeu. J'avais dit, ouais, quand personne n'en parlera là dans 2 ans. Ah non, c'est le circuit. Le circuit, il faut prendre tout le temps le machin chose là. Zim 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 zim. Est-ce qu'il le prend? Il le prend pas. Ok, donc déjà, faisable sans le prendre à 3 tours. Il booste ici. Qu'est-ce qu'il est beau ce circuit, j'aime bien. Crabe ! Putain, ça c'est Bagheera Jones encore, non ? C'est pas elle ? J'arrive pas à le toucher ce machin. Bon, va falloir faire mieux que ça. C'est pas Bagheera Jones qui a des délires avec les crabes. Zoom, 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 zoom. Poup. Oh, je marche dans les nuages. Dans la neige. Mais ça peut se rattraper. Grâce à la puissance de l'interrogation. Ok, c'est raté.
À plus, Angie. Ah, il y a Pucci, j'ai même pas vu. Et ça cale. Je marche dans les nuages. Also known as... J'ai pris un Xanax, ma gueule. Kiffant quand on fait ça. Bonjour, Monsieur Bondis. Mr. Bondis ou M. Bondis, quoi. Salut, salut. Bienvenue. Installe-toi, prends un petit gâteau. Ah, il prend le truc ici, lui, d'accord. Zim 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 zim. Là, il a pris le passage du haut. Hein. Les crabes au deuxième tour, c'est pas bon pour le cœur. Parce que j'ai esquivé un crabe de peu, c'est ça? Ah, bon Dieu! La plantasse. Combien de temps avant que cette musique nous pète la tête? Zim 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 zim. Oh, mais c'est pas possible, arrête de faire le con. Vous savez que je me sens un peu vide depuis qu'on a fini Outer Wilds. Pourquoi t'es con? Bizarre dit comme ça. Qu'est-ce qui est bizarre? La même depuis la fin du DLC. Mais c'est ça, j'essaie de me rassurer en me disant qu'il reste le DLC, tu vois. Donc qu'on peut encore vivre un peu une expérience. Ah, que tu bosses pas. Oh, t'inquiète, il y en a plein. Ne culpabilise pas. He's okay. Chat de chômeur. Ça va, Skyplay, il a un stage maintenant, on l'entend, hein. Excusez-nous.
Et je ne touche pas. Ah ouais, il passe devant. Skip. Skiplay. Allez. Je suis en intérim. Pas de mission aujourd'hui. Oh. Ça m'angoisse l'intérim. Hein. Vous êtes courageux de faire de l'intérim si vous faites de l'intérim. Après, vous avez, c'est pas une question de choix, tu vois, mais je veux dire, quand t'as pas le choix, tu fais, mais... Ça m'angoisse. Bravo de réussir à le faire, si... S'il fallait retenir quelque chose, quoi. Je viens de rentrer dans la vie active. Ouais, non, mais devoir réapprendre un truc à chaque fois, là... Je sens que j'ai pas le contrôle, ça m'angoisse. Après, ça doit certainement bien se passer chez beaucoup de personnes. Et merde, je regarde pas ce que je fais. Des personnes qu'on peut jeter quand on veut. Ouais, je sais pas, il y a un truc assez ingrat, mais bon... Et puis, tu sais, t'arrives, tu sais rien. J'ai l'impression qu'on te demande des trucs comme si tu savais déjà. Confirme, c'est de la merde. Après, j'imagine que des fois, t'as pas le choix, quoi. Putain, faut vraiment toucher, hein. Oh bah, j'ai un peu raté mon boost là. Je suis toujours étudiante. Ah oui, je l'ai vu. Vida loca. Loca, loca. Oula. J'ai jamais eu un salaire qui correspond à mes heures, donc j'ai passé plus de temps à essayer d'avoir le service pour qu'ils corrigent leurs erreurs qu'autre chose. Petit pâté patou. C'est une satisfaction. Ouais.
C'est une technique. Technique de merde. Voilà. Elle est marrante, cette course, elle est nouvelle. Oui, elle est inédite. C'est vraiment tout nouveau. Effectivement, elle est sympa. Zim 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 zim. Zoom 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 zoom. C'est bon. Et c'est la fin de ce contre-la-montre. C'était le contre-la-montre de la coupe fruits. La coupe de fruits. Pourquoi la personne a fait cette blague? Pourquoi elle a pas fait cette blague? Zim, 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 zim. Du coup, YouTube, bah, des bisous, quoi. C'est la fin. C'est la fin de ce contre-la-montre. Il nous reste encore le contre-la-montre de la coupe boomerang, ainsi que le mode miroir et le mode 200cc. À bientôt, YouTube.